D'accord, merci. Moi, c'est Diallo Mouktar Kébé, je suis entrepreneur. Merci de m'avoir donné la parole. Je veux vous rappeler une chose d'abord, que c'est une manifestation prévue par le peuple de Guinée dans son ensemble. Vous savez, depuis l'accession à l'indépendance vers les années 58, le peuple de Guinée est en train de souffrir, par un même groupe. Aujourd'hui, c'est au tour du peuple de Guinée de défendre l'avenir de Guinée et de défendre la jeune démocratie que nous voulons instaurer dans notre pays. Donc, à travers ces initiatives, le peuple de Guinée, maintenant, va prendre en main toutes les possibilités possibles pour contrecarrer à cette mauvaise foi de notre gouvernement. Bien évidemment, comme vous venez de dire, je suis prêt et ensemble, nous allons mener le combat. Ce n'est pas seulement un combat d'un individu, mais c'est le combat d'un peuple. C'est le peuple en question dans ses différentes structures, c'est-à-dire à travers la société civile, les mouvements, les partis politiques, qui ont décidé maintenant de se lever et ensemble mener le combat pour maintenir l'initiative de défendre pour l'instauration de la démocratie en Guinée. Donc nous sommes prêts, c'est le peuple en question qui est prêt et nous allons le maintenir. Je vais dire à l'ensemble de la population que le destin de la Guinée ne doit être régi que par les Guinéens, par eux-mêmes. Donc, ce n'est pas rester à la maison et dire que je défends tel point et que je ne suis pas d'accord avec eux. Il faut se lever et mener le combat. C'est un combat noble. La manifestation, c'est un droit constitutionnel. Donc c'est cette constitution même que nous voulons modifier au profit du gouvernement qui nous autorise de se manifester. Donc c'est un droit constitutionnel. Nous avons ces prérogatives, c'est nos avantages. Donc j'appelle à tout le monde de se lever et vraiment de montrer que nous ne sommes pas d'accord avec cette initiative envisagée par le gouvernement. Merci bien, M. Diallo. Merci vraiment.